Et salut à toutes et à tous, c'est Kayla, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va tester le mode bras de fer. Ouais, oula. Alors, vous êtes probablement pas au courant, vous avez pas le son du jeu. Mais, il y a du riz quand on lance le mode bras de fer. Donc voilà, donc on part sur un mode bras de fer aujourd'hui, donc qui est un mode qui a été ajouté là, il y a une semaine. Et merde. Parce que pour moi, il devait déjà être fini, bon c'est pas grave. Donc je vous explique le principe assez rapidement, on ne peut avoir qu'un seul deck. Au bout d'une victoire, on a un cadeau, excusez-moi si je touche le micro. Ça c'est mon portable, je sais pas si vous... Ouais, donc mon portable à côté. Donc Erwan Dead, si tu nous entends, arrête de me déranger. Bon, je répondrai après. Et donc on peut gagner une fois par semaine... un paquet de cartes. Et donc chaque semaine il y a une victoire donc, et chaque semaine il y a une règle différente. Donc en fait là c'est dès qu'un de nos serviteurs meurt on gagne une banane random. Donc une banane c'est un sort entre guillemets, c'est considéré comme un sort. Donc il peut augmenter d'un un serviteur ou de 2-2 ou d'inverser son attaque et sa vie ou lui infliger un point de dégâts. Et je vais vous laisser un instant parce que je dois fermer ma porte, je reviens. Voilà, excusez-moi, j'espère que ça n'a pas été trop long. Donc c'est parti. Téléphone. Enfin, je suis en train de discuter par SMS avec quelqu'un en même temps. Alors, donc comme vous voyez, j'ai aussi récupéré ça, qui est une très bonne carte à mon avis. Donc vous étiez pas là. Alors celle-là aussi, c'est une très bonne carte que j'ai fait récemment. Ah, dans un instant, je suis à vous. Voilà. Merci, Erwan Dead. J'espère que ça va être une bonne partie qui se pose. On le balance. Voilà, donc, retour du brevet. Hein, première vidéo depuis le brevet. Donc, le brevet qui était vendredi. Je tourne des vidéos. Je tourne, on est quel jour? Dimanche. Et je devrais la publier aujourd'hui, normalement. Si tout se passe bien. Oh, j'ai pas prévu, il peut trade, merde. Oh là là, ça se voit que j'ai pas joué depuis un moment. J'ai pas joué depuis hier. Donc voilà, retour de vacances. Alors j'étais censé vous faire un unboxing de Star Spectre versus Plus, mais l'enregistrement que j'avais fait a planté et j'ai pas pu le refaire. Donc je vais faire tuer. Excusez-moi. Et donc voilà. Et j'ai essayé de faire une vidéo découverte, mais au final je l'ai pas faite, donc voilà. Donc voilà ce que je vous disais, une banane. Donc enfin, en fait, je vous avais aussi prévu de faire une vidéo découverte normalement, mais je me suis dit, quitte à faire une vidéo, autant qu'elle soit vraiment intéressante. C'est-à-dire que j'aurais très bien pu effectivement faire une vidéo découverte, mais je n'ai pas forcément très envie. J'avais plus envie de... J'avais plus envie en fait de... faire une vidéo avec quelqu'un. Et donc lundi, pour moi, donc, lundi on va tourner plusieurs vidéos à 3, voire peut-être à 4, je sais pas encore. Et donc voilà, donc sur G-Star. Et donc on pourra pour effectivement nous faire... pour effectivement publier une vidéo sur G-Star. 4 qui sera plus intéressante ou à 3. De toute façon, on peut jouer qu'à 2 en même temps. Voilà. Après, si dans cette vidéo vous me réclamez absolument une vidéo sur G-Start rapidement, G-Start rapidement, alors là, oui, donc voilà. Ce j'ai eu ça aussi entre temps, hurle sang.
Alors, c'est une arme 7-1 à 7 mana. Et elle a un effet, attaquer un serviteur coûte 1 attaque au lieu de 1 durabilité. Alors là, vous voyez, je sais pas trop quoi faire en fait. Je suis censée piocher, les gars. Ah ben non, elle est morte, merde, c'est vrai. Merde, c'est pas grave. Là, si ça intéresse quelqu'un, à côté de moi, j'ai le jeu Dragon City. Ou pas! Parce que. Ah! Faut que je m'habitue au fait que vous n'ayez pas le son du jeu, vous. Alors que moi, je l'ai. J'attaque qui? J'aurais dans l'idée d'attaquer elle, mais est-ce que c'est la meilleure idée? Dans le douche, l'attaque elle. Ton tour, excusez-moi. Et donc, si ça intéresse quelqu'un, je passais la matinée à jouer à Dofus. Oui, je sais, c'est un jeu pour bébé, mais j'y joue quand même parce qu'il me fait rire. Puis c'est ma vie, bordel, je fais ce que je veux. Excusez-moi, je peux avoir quelque chose pour lui taper dessus, s'il vous plaît? Ou c'est trop demandé? Probablement pas une bonne idée, mais... Ah non, je crois que j'ai fait une erreur sur Dragon City. Ouais. Je joue à... En fait, là, je suis en combat sur Dragon City, et voilà. Top qui joue à tout en même temps.